à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa ses diamants. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour... Alors je ne sais pas quelle toile prendre avec vous. Ça sera la surprise. Pour l'instant je réfléchis. J'ai envie de tout et de rien. Voilà, un peu mon état d'esprit. Je pense que je vais prendre ma toile violette en fait. Je l'avais eu chez GBFKE et je l'aime beaucoup. C'était celle-ci. 600 par 240, une 148 par 65. Voilà. J'avais très très envie de la broder également. C'est une toile Mona Lisa. J'ai rien fait depuis la dernière fois en vidéo avec vous. Alors, je me suis dit, tiens, on va la reprendre. Peut-être que je vais faire en plusieurs parties. Peut-être que je vais broder un peu avec vous aujourd'hui. Peut-être un peu demain. Donc, voilà. Alors, on va faire du 49. Je l'ai eu chez Vipro Stitch. Non. GBFKE, pardon. Chez GBFKE. Oui, oui, oui. Je n'ai pas l'habitude parce que chez GBFKE, je prends tout le temps du Diamond Painting. Et j'avais envie de changer, rappelez-vous. Il m'avait octroyé un budget un peu plus conséquent. Et j'ai réussi à avoir cette magnifique toile. Je l'avais vue en fil soyeux et moi, je la voulais en fil coton. Alors, je prends du 49. C'est un verre, vous savez, le verre d'eau là. Comme ceci, voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous filme un petit peu, après j'irai manger et ça se trouve je reprendrai que ce soir ou demain, je verrai comment ma journée s'organise parce que je suis un peu dans le flou là, j'attends des réponses ou pas. Alors, est-ce que je vous zoome un petit peu? Oui. Hop. Allez, c'est parti. Magnifique toile. De toute façon, les toiles Mona Lisa, comme ça, en paysage, moi, j'aime beaucoup. Alors, je vais essayer de vous incruster l'image quelque part par ici. Maintenant, j'arrive à le faire. Vous avez dû déjà le voir dans une des vidéos que j'avais tournée pour Octobre Rose. Normalement, si j'ai réussi. C'est grâce à Isa, de la chaîne Isa et ses passions. Merci à toi, elle m'a montré, enfin, elle m'a dit comment faire. Alors maintenant, je saurais faire... mettre des petites incrustations ou des petites vidéos. Ça peut être bien sympa. Je crois pas avoir un code promo chez GBFKE. Je regarderai, mais je ne crois pas. Ouais, le fil est un peu vert, mais quand on brode, ça se voit pas. Et là, ça se voit. Vous voyez un petit peu. Après, en vidéo, je ne sais pas. Ouais, vous voyez un petit peu. C'est vrai, vraiment subtil. Hein. Et on est dans le, dans les nuages, par ici. Il va falloir que je resserre mes lunettes. De toute façon, dans 2-3 minutes, je vais arrêter la vidéo et je vous reprendrai après. Parce que ma fille, elle veut manger. Il faut bien que je la nourrisse. Donc, je vous retrouve tout de suite ou un peu plus tard dans la journée. De toute façon, je vous dirai ce qu'il en est. Donc, je vous dis à tout de suite. Bon, me revoilà.
J'ai changé d'endroit, comme vous pouvez le voir. Du coup, nous sommes le lendemain. Alors, attendez. Voilà. Ma fille est venue avec son chéri. On a été faire un petit tour à Action, à Intersport, au magasin de pêche et à Leclerc. Et du coup, on a fait une soirée crêpe. Ouais. Je savais pas quoi faire. J'ai dit, tu veux que je fasse des crêpes? Elle m'a dit oui. Donc, j'ai fait des crêpes. Voilà. Elle était contente. Donc, je n'ai pas retouché la toile, vous voyez bien. Je n'ai même pas brodé hier, ni hier soir. Parce qu'on regardait le film Cruella. Moi, nous, on l'avait déjà vu avec ma dernière. Mais ma grande et son chéri ne l'avaient pas vu. Bah, du coup, on a regardé ça. On a bien rigolé et tout. Aujourd'hui, je croise les doigts. Ils visitent une maison. J'espère que ça va aller pour eux. Que ça va marcher. Là, on a un petit peu marre de pas avoir un chez elle vraiment. En plus, ça serait juste à côté de, pas très loin de son travail, donc ça serait nickel. Bon, c'est à 40 minutes de chez moi, mais bon, c'est faisable, hein, c'est pas loin. Contente pour elle, enfin pour eux. Voilà. J'ai reçu un colis partenariat aussi. Faut que je vous le tourne, je vous le ferai après. Vous avez été très nombreux à commenter ma vidéo Flosstube. Merci à vous. Oui, j'ai bien travaillé quand même. Vous avez bien raison. J'ai bien travaillé sur ma deuxième quinzaine. Parce que la première, avec le mariage, ça a été un peu plus compliqué. Mais après, j'ai repris le pli, j'ai repris le rythme et tout. Et ça a été nickel. Bon, je vais finir mon fil là. Pas quel temps on va avoir aujourd'hui, il fait sombre. Je sais qu'ils annoncent de la pluie. Alors, je sais pas si on va vraiment en avoir. 49. C'est pas notre soleil d'hier. Hier on avait un beau soleil, aujourd'hui il fait tout gris. Puis après, faut que je regarde, j'ai mon rideau qui est tombé là-bas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle s'est cassée. Faut que je regarde ça. Ça se trouve, c'est pas grand chose. Sinon, quand mon mari va rentrer ce soir, il regardera. Hop. On va faire ce d'en haut et puis je vais rattraper en descendant. Ça sent bon dans ma maison parce que j'ai fini, il restait de la pâte d'hier. J'ai fini de faire la pâte pour les crêpes, comme ça il y en a pour aujourd'hui aussi. Ça sent bon dans la maison, j'aime bien. J'ai acheté un pot de Nutella, ce que je n'achète jamais. J'en achète vraiment, allez, deux fois par an pour les crêpes. Allez, si j'en achète deux pots. Mais qu'est-ce que c'est cher? Oh là 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 là. C'est pas bon pour la planète. Moi, j'aime bien mes crêpes sucre ou confiture. Ouais, j'aime beaucoup les crêpes à la confiture.
trouvais plus mon fil. Elle est très agréable, elle est souple, elle n'est pas rêche. Un peu, mais ça va quand même. Je vous remettrai de toute façon le lien de la toile. Si elle existe toujours, je remettrai le lien. Sinon, je vous remets c'est le lien du site GBFKE en barre de description. J'ai hâte aussi, j'ai renouvelé un partenariat, j'ai pris pas mal d'accessoires parce que je voulais des pinces. Et des... Attendez, je vais vous montrer ça. Pour mettre mes fils pour ma grande. Vous vous rappelez, je les avais achetés sur Temu. Pour mettre sur ma grande toile. Alors là, on peut mettre l'étiquette. Et là, on met nos fils. Et là, on met un anneau. Comme ça, on les a tous les uns derrière les autres. Là, par exemple, on peut mettre nos fils. Et on peut mettre notre petit fil entamé. Si je vous retrouve, je vous remettrai le lien si ça vous intéresse sur Temu. Je ne sais plus combien je les avais achetés sur Temu. Il y en a 30. J'en ai commandé aussi 30. Bon, j'ai 80, plus de 80 couleurs, mais déjà, si j'en ai 60, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je vous avais fait l'unboxing de Temu il y a déjà quelques temps. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai. Enfin, si j'y pense aussi. Parce que ça aussi, il faut que j'y pense. Si je fais le montage tout de suite, je vais y penser. Mais si je fais le montage plus tard dans la journée ou le lendemain, ça peut m'arriver que j'oublie. Puis en plus, vous voyez, c'est bien rangé dans une boîte comme ça. C'est pratique. Ouais, il y en a 30. Mais c'était pas très très cher. J'ai pris ça. Puis j'ai pris aussi dans mon prochain partenariat avec une autre société que celle-ci. Un sac. Vous savez, les sacs qui font un peu comme ça. Mais vous savez, avec l'anse, pour mettre ma grande, grande toile. Mes 12 épouses. Ouais. Et puis, je me suis pris aussi des organisateurs. Pour une autre toile. Hop. Ouais. Je vais vous faire un unboxing, ça va être encore spécial Noël. Je suis très contente. Ah, vous allez commencer à en voir sur la chaîne hein. Des petites choses de Noël. J'ai pas un mouchoir qui traîne par ici. Si. Oups. Ah. Ça fait longtemps que je vous filme plus en haut. Hein. Voilà, c'était l'occasion. Et puis il fait pas chaud, donc autant être en haut. Ça dérange personne, ma fille ne m'entend rien. C'est pas comme quand il y a mon mari. J'en profite. Profitons-en, profitons-en. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, n'est-ce pas? Ah, faut bien rigoler. Alors, je sais pas où il en est dans son classement. Je sais qu'il a refait du poisson. Là, ils sont en train de commencer à tout ranger. Ils pêchent jusqu'à 10 heures. Après, ils enlèvent toutes les cannes à l'eau. Et après, il y a les remises de prix et tout ça. Et après, ils mangent tous ensemble. Et je sais pas c'est à quelle heure.
et où il en est dans le classement. Et un ami à nous, il était premier. Je ne sais pas s'il y est toujours. Hop. Mon fil, voilà. On va peut-être changer un peu de couleur. Je referai celle-là après. Si je fais du 48, c'est quelle couleur? Ah, ça doit être du clair encore. Oui. Le numéro 7. Tiens, mais c'est du violet. On va faire le bleu là. J'en ai déjà fait. On va faire du numéro 7. Alors, ça, c'est mon chien. Il a rouvert sûrement la porte. Je vous mets sur pause, je reviens. Oui, c'était mon chien. Un petit coup de café. Alors, je prends mon fil et on va faire le bleu. Hop. Très joli violet. C'est vrai que je me répète, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, ces toiles paysages là. Elles sont magnifiques. Là, je suis en train d'en faire une dans les tons orangés de chez Spring, mais elle est vraiment magnifique aussi. Hein. C'est ma toile d'automne. Automne-hiver, quoi. J'avance bien aussi, c'est ma petite fille et son chien. Je suis contente. Vais-je la finir pour le mois de décembre? Je pense que oui, quand même. C'est bien parti pour. Il faudrait qu'il y ait vraiment un truc qui me. Voilà. Ah, ma fille, elle s'est achetée hier à Action, ma petite dernière. Une petite miniature. Alors j'ai dit, tu voudras bien que je te filme pas, mais je prenne des photos et que je montre en vidéo ce que tu fais. Elle m'a pas répondu, j'y demanderai. Comme ça, je vous ferai voir. Elle a pris la miniature Pet Shop, la boutique des animaux. Alors on verra bien comment elle se débrouille. Je crois qu'elle va essayer aujourd'hui. Quand elle était plus petite, elle faisait beaucoup de, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, de pâte fimo. Qu'est-ce qu'elle a passé des heures et des heures. Elle en a fait des choses en pâte fimo. Regardez des vidéos et elle faisait ça pendant des heures et des heures. Oh, elle avait toute une boîte, mais elle a toujours sa boîte. Elle faisait du dessin aussi par moment, mais. Elle dit qu'elle ne sait plus dessiner. C'est qu'elle veut plus en faire. Enfin, qu'elle n'a plus le truc. Avant, elle passait son temps à dessiner. Elle a vu encore. Ben, il y a les marcheurs aujourd'hui, c'est la marche pour Octobre Rose. Ça se trouve, elle voit qu'il y a des marcheurs.
Hop, voilà. Je vais essayer de finir mon fil ailleurs. Hop. Le violet, vous avez vu. Hop. Et du violet. Je rentre mon fil. Et là, hop. Voilà. Action, il y a un sacré rayon de Noël. Bon, j'ai acheté 2-3 bricoles. Mais quand j'achèterai vraiment plein de choses, je vous ferai un haul. Je vais pas vous faire un haul pour 3 trucs. Voilà. Ça dure 3 minutes, ça sert à rien. J'ai pas pris de diamond painting, rien. Si, la dernière fois, j'ai pris des boules Stitch, je crois que je vous l'ai déjà dit en vidéo, à faire en diamond painting. Pour ma grande qui est fan de Stitch. Je vous montrerai ça en vidéo, parce que pour l'instant, je ne lui ai pas donné. Elle voulait les emmener hier, elle les a oubliées, tant mieux. Parce que je lui ai dit qu'elle ne les achète pas. Parce que si elle a son chez elle, elle veut faire son sapin tout en Disney. Ça m'étonne pas, ça lui correspond tout à fait. J'ai une grande fan de Disney. Elle retourne à Disney là, dans 15 jours, je crois. Et elle va y retourner avec sa sœur. Voilà, j'ai fait du violet. Bah, je pense que je vais vous laisser là quand même. Peut-être dézoomer un peu. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous remets le joli modèle que j'ai eu chez GBFKU, ce joli paysage. Ouais, là, on est là. Ouais, ça va être plus foncé que sur l'image. Des fois, c'est l'inverse. Hein. J'aime beaucoup avec ces escaliers là et tout. Hein. Magnifique. Moi, je remercie infiniment GBFKE pour leur confiance. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air, vous savez, ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye tout le monde.